Alors soyons avant de faire des bébés, il y a quand même quelques étapes avant normalement. Bah voilà. Et notamment le premier baiser, parce que c'est le sujet du jour. Et qui n'a pas rêvé d'avoir un premier baiser comme dans la boum, avec le slow, la boule à facettes et Sophie Marceau en face de soi. Sauf que parfois, la boule à facettes, on l'a plutôt sur les dents avec l'appareil dentaire et qu'en face de soi, on a plus Tommy Marceau que Sophie. Pas toujours comme on l'avait imaginé. Alors, votre premier baiser était-il plutôt magique ou tragique? Ben, on regarde. Le sujet du jour, c'est te souviens-tu de ton premier baiser? Toi, ton premier baiser, il était plutôt du genre mémorable ou plutôt du genre déplorable? Ah, mémorable. Mémorable, ouais. Ça m'énerve ces chanceux comme ça. Plutôt de genre mémorable. Mémorable, mignon. Ah ouais, carrément. Ouais, il était mignon. Je m'en souviens pas tant que ça. C'était plutôt mémorable. Mon premier baiser, c'était mémorable. Mais en fait, ce qui était mémorable, c'est qu'elle l'a fait devant mes potes. D'accord, ok. Ouais, du coup, j'étais plus ou moins genre le premier à avoir eu le premier baiser. C'était assez particulier, je vais dire. Déplorable. J'étais un petit peu alcoolisé, bien sûr. Ça va, plutôt mémorable quand même. Ouais, il avait mention assez bien quand même. Ouais. Plus que passable déjà. Ça faisait longtemps que j'essayais de, voilà, d'essayer de l'embrasser. Ouais, au cross du collège. Au cross du collège, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vieux. En mode sportif, quoi. Ça s'est fait sur le palier, voilà. Bah, je me souviens d'un, mais c'est vrai qu'il était plutôt déplorable. Déplorable. Ouais. De toute façon, l'appareil dentaire qui est resté coincé, ça. Non, c'était un léger vent, en fait. C'était dans la campagne. Non, c'était cool. C'était sur des rails de train. Ouais, faut pas sur faire des ça. Des rails de faut train. Pas ouais. Faire ça. C'était un peu compliqué. Puis je me suis lancé. Puis elle a tourné la tête. Et puis ça a atterri, je crois, dans le. Ah ouais, une bonne tempête, quoi. Ouais, ah ok. C'était pas terrible. Ça ouais, pour l'instant, ça fait. Justement, aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Donc, tout va bien, quoi. Bon, vous le savez, il y a des baisers qui marquent plus que d'autres, hein, parfois positivement, parfois négativement. On regarde quelles traces ça laisse, justement. Est-ce que tu as le souvenir d'un baiser qui était plus mémorable que d'autres, dans le bon sens comme dans le mauvais sens? Ouais. Ouais, bah un baiser... ouais, il y avait l'alcool aussi en jeu, en général. Dans le mauvais sens, oui. Ouais. Oui. Il y a peut-être Delphine. Ouais, elle mordait trop. Elle mordait trop, ah ouais. Jusqu'au point où j'ai saigné de la lèvre. Et Nathalie aussi par là-dessus. C'était au cinéma. Ouais. Et c'était pendant l'une des scènes, l'une des meilleures scènes du film. Yvette et Colette et Jeannette. Non, Jeannette, non. Yvette, j'ai connu une Yvette, mais j'étais pas tenté par sa personne. Il y a eu des beaux, enfin je veux dire, dans des paysages sympas. T'es tombé sur une carnivore, non? Plus ou moins. Plus un ou petit moins. Peu. Okay. Un petit peu. Elle a bouffé avec les lèvres ou elle a bouffé le reste? Ah, vous faites le reste. Ok. Enfin, pour terminer, on a voulu savoir s'il y avait quand même une bonne technique pour un baiser réussi. On regarde. Ok. C'est quoi, selon toi, la technique pour un baiser réussi? La bonne technique Tout dépend de la personne. D'abord, le regard. Ouais. Qui joue énormément. Donc t'embrasse avec les yeux, toi? Exactement, j'embrasse avec les yeux. Moi, je dirais c'est plus dans les lèvres. Aucune technique. Au filet, faut pas avoir. Si tu commences à avoir de technique, là, c'est la mauvaise idée. Hein. C'est la technique, c'est de pas avoir de technique, quoi. Exact. Ça reste un minimum mignon. Ouais. Ouais. Un peu innocent, quoi. Oui. Essayer de faire kiffer la fille, se faire kiffer en même temps, et puis voilà, quoi. Déjà, un peu d'expérience. C'est de ne pas le faire. C'est de ne pas le faire. De l'évoquer avec subtilité. C'est quoi la bonne technique, justement, pour un baiser réussi? Bah, c'est pas ce que j'ai fait déjà, ouais. C'est sûr. C'est une réaction chimique, ça passe ou ça casse. Ouais. Faut préparer le terrain, quoi. Faut préparer le terrain, ouais, évidemment. Faut être sûr de soi, parce que c'est vrai que j'ai un peu merdé sur le coup là. Donc... T'avais la langue qui tremblait, quoi. Ouais, j'étais pas sûr de moi, donc c'était moyen, quoi. Il faut prendre le temps de le faire. Faut prendre le temps de le faire. Ok, le temps de s'approcher de ça. Tu me montres, non? Non. Non, pas devant la caméra comme ça. J'aurais essayé. Je suis un peu déçu quand même. Je m'attendais à un final, une conclusion. Bah, t'allais nous montrer. Le plan, c'est que j'ai tenté ma chance et que j'ai pris un râteau comme d'habitude.